It's a long way to the top if you want to rock and roll. Et les toquiers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de 3 minutes pour vous convaincre. Les puristes sont peut-être reconnus pour les amateurs de ce film. Rock Academy avec Jack Black dans le rôle titre qui joue le professeur Dewey Finn, enfin professeur remplaçant. Alors, bien que si je pense que ce film est peut-être un des plus connus que j'ai fait pour l'instant des 3 minutes pour convaincre, je me devais de vous en parler parce que je suis ultra fan de ce film. Comédie rock'n'roll avec une bande-son énormissime. Du Led Zeppelin, du AC/DC, du Prince, du Jimi Hendrix, pardon. Enfin voilà, c'est juste génial. Les gosses, les enfants sont tous bons, sans exception. Le petit qui joue le batteur est génial ici, mais la petite péteuse un petit peu, la petite chieuse est génial ici également. Jack Black est monstrueux dans son rôle, c'est totalement un rôle pour lui, déjà que c'est un énorme acteur, mais ce rôle, ils auraient pu en faire une série de Rock Academy avec lui dans son rôle, ça aurait été génial. Donc en fait, c'est un petit branleur dedans, Jack Black, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle No Vacancy. Il va se faire virer du groupe alors que c'est lui qui écrivait les chansons principalement. Et en fait, son frère est professeur d'une école et sur une opportunité, il va décrocher un appel et va se retrouver à avoir un poste de remplaçant qui était normalement pas destiné à sa personne. Et il va s'avérer qu'il va avoir des méthodes un peu particulières au niveau de l'école. Et il va s'apercevoir lors d'un cours de musique classique des enfants qu'ils ont tous un don particulier. Il y en a, il est bon percu, il y en a, il est bon avec une petite guitare sèche, il y en a, il est bon avec une basse, mais par rapport à la posture, en fait, je crois que c'est la contrebasse ou je sais plus. Et dans le violoncelle, peut-être. Et voilà, il va décider d'exploiter ça en leur proposant, en fait, de monter un petit groupe rock et de faire un tremplin rock pour principalement battre son ancien groupe. Ce qui va s'avérer payant et ce qui va donner lieu à toutes sortes de scènes vraiment très burlesques. La professeure est rock'n'roll au possible et elle est géniale. Voilà, je pense que vous m'entendez à quel point j'aime ce film. D'ailleurs, avec Jack Black, je vous conseille également de voir Tenacious D, The Peak of the Destiny, voilà, qui est un film retraçant l'histoire de son groupe qu'il forme avec... comment s'appelle-t-il? Ah, j'ai oublié son nom. Tant pis. Et donc voilà, je vous invite très fortement à voir ce film. La musique est géniale, c'est très drôle. On s'attache à tous les acteurs du film et Jack Black particulièrement, et en plus le doublage français est très bon. Donc voilà, que dire de plus que voilà, c'est un film de Richard Linklater, donc voilà, qui est vraiment pas novice dans le milieu. Donc, écoutez, pour toutes ces raisons les toqués, j'espère que en 3 minutes j'aurai réussi à vous convaincre. Ciao ciao.